Salut les gars, c'est Sylvain. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Donc comme vous avez dû le voir entre les vidéos du Flash Prono et les combis que vous pouvez retrouver sur le site, on a vu que 5 de nos 6 derniers combis étaient passés. Donc on va essayer de faire la même chose ce week-end et j'ai choisi 2 matchs. Donc on commence, on part en Espagne, c'est le duel entre Séville et Majorque. Alors cette équipe de Séville hein, qui est quatrième à égalité de points avec l'Atlético qui est troisième, c'est une équipe qui est invaincue en 8 matchs depuis la reprise des compétitions. Il reste sur 3 belles victoires donc contre Leganés, contre Eibar et l'Athletic Bilbao. Donc dans la victoire contre Eibar hein, 1-0, on a vu Séville sauvé par Ocampos hein, qui était devenu gardien de but et qui sort un arrêt dans le temps additionnel. Après avoir marqué, on a vu ensuite hier une belle victoire sur la pelouse de Bilbao où il est toujours difficile de s'imposer. Ils étaient en plus menés 1-0. Donc on a une bonne dynamique. Hein. On voit qu'il se passe quelque chose d'assez positif du côté de Séville. En face, on a Majorque, donc qui est Majorque 18e, menacé par la relégation. Donc ils viennent de gagner 2 matchs à domicile, mais à côté de ça, ça reste quand même hyper fragile depuis le restart. 5 défaites en 8 matchs. Si on regarde sur la saison, c'est un seul match gagné à l'extérieur. 4 défaites en 4 déplacements depuis la reprise. Donc je pense qu'ils vont de nouveau souffrir face à Séville. Donc je vous propose la victoire de Séville et c'est une cote à 1,40. Alors deuxième match, hein, on va partir en Italie et c'est la Lazio qui reçoit Sassuolo. Donc la Lazio hein, qui est deuxième mais qui semble craquer dans la dernière ligne droite de cette Serie A. Hein. Ils viennent de subir en une semaine 2 défaites. Donc grosse défaite contre Milan et ensuite contre Lecce. Mais surtout l'objet de mon analyse, ce sera le scénario. Et moi je vois un scénario avec des buts. Donc si on regarde depuis le restart, hein, les matchs de la Lazio, c'est 4 sur 5 où les deux équipes ont marqué. C'est encore plus prégnant du côté de Sassuolo, puisque 5 fois sur 5, les deux équipes ont marqué avec des matchs hyper spectaculaires. Donc il y a eu un 3-3 contre l'Inter, 3-3 contre le Hellas Vérone et une victoire 4-2 contre Lecce. Donc on aura face à face hein, Immobile, le meilleur buteur de cette Serie A. Et donc en face pour Sassuolo, un gros potentiel offensif avec Caputo, Berardi et Boga notamment. Donc Sassuolo, hein, qui est l'équipe de Serie A qui a le plus marqué depuis la reprise des compétitions. Donc vous l'avez compris, je vois un match animé, les deux équipes marquées et c'est une cote à 1,32. Alors si on combine les deux, donc la victoire de Séville et les deux équipes marquent entre la Lazio et Sassuolo, ça vous fait une cote à 1,85 que vous pouvez jouer avec le bonus d'inscription sur TheBet. Donc bonus d'inscription hein, jusqu'à 150 euros à aller chercher. Donc un premier pari de 100 euros. Donc si vous jouez dessus, vous pourriez remporter 185 euros et s'il est perdant, vous êtes remboursé en pari gratuit et vous avez en plus 50 euros supplémentaires de bonus à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain. Je vous souhaite bonne chance pour le combi de ce week-end. On va essayer de poursuivre la série et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux pronos en vidéo et bonnes vacances pour ceux qui sont.